C'est systématique alors comme... L'accélération maximum depuis le PK4. Fegersheim 230. Fegersheim 230. Oui. Et ensuite? Et au PK... PK 15... 14, on est à 260, c'est après Limassheim. D'accord. Ouais. Ça ne sait pas l'aiguille. Ah, j'étais assez content. Là, l'aiguille quand même passée. Tu sais, l'aiguille est à 220. Hein. On l'a pris à 235. Ah bon? Bon, ouais, tu sens rien du tout. Hein. Et d'après ce qu'ils disent, tu peux le rendre, on pourrait la prendre à 260. Ils ont essayé? Hein? Ils veulent essayer, non? C'est faisable. On ne l'a pas encore essayé. On l'a pris à 235 au max. Ça commence à défiler vite. Hein. Hein? Alors, je vais tâcher de filmer Célesta dans le sens inverse du ton siège. Ouais, ouais. En montant sans spare, la traversée de Célesta est plus raide que sans Saint-Père. Ça fait partie du cinéma la semaine dernière avec Gonzès de FR3. Mmh. J'ai dit à des gens, vous faites le trait. Hein, c'est limité à 260 la traversée de Célesta. Vous faites le trait de 3 km, 3 4 km. Ça se couait parce que le rail il faisait froid, tu vois, puis la plateforme elle était assez manquée de souplesse. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, le résultat c'est pas fait à temps. Ça, la cabine ça se couait, ça branlait. La gamine, j'avais observé du point d'œil, mon vieux. Les deux mains crispées sur les tablettes, les jointures des doigts toutes blanches. Et là, elle pâlit. T'es Célesta, hein. Quoi, France Culture, tu le reçois bien? Non, j'ai parlé RFC et CFR. Les Canadiens, ils ont une base à l'art et ils ont deux émetteurs. Oui. Et nous, on les reçoit très bien parce qu'on est juste en face. La rame, le départ est donné. Bon. Sophie appelle opérateur essai. Opérateur essai, je peux vous dire. Départ de Colmar. Départ de Colmar. Alors, on a la réserve. Tout le monde? C'est Célestin. Hein. Oui. Ouais. Tiens, pas rigolo. Hey. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? À combien? D'accord. Oui. Ah bon, d'accord, mais on se met en vitesse d'après ton indicateur à toi là. Bon, et ben d'accord. Alors ben dès qu'on va être à 260, nous, apparemment, on se réglera avec toi, puis après, tu feras ce que tu voudras, ouais. Bon, alors, le 65 dans 100 mètres. Attention. Top. Oui.
fait à peu près moi. Bon, alors on monte à 260, quand on est à 260, on lui dit on va se régler au poil avec lui. Il veut faire une vérification de la vitesse, d'avoir des essieux. On restera bien stable à la vitesse. Ouais. Il est parti, petit là. Ouais. Il est parti. Oh, il est parti s'asseoir derrière. Ah bon. Profiter un peu. La voiture. Le truc. Ouais, tu vois, on parlait de la EMI. Ouais. On n'a pas fini ici, que ça y est, c'est programmé. C'est parti. Ah, ça, c'est à prévoir, il va falloir du monde là-dessus. Oh, c'est pas. Enfin, je sais pas. Faut voir les roulements, mais enfin, ça sera du Paris-la-Roche, je crois. Alors, c'est pas. Bon, c'est pour nous, c'est déjà. C'est de la bonne chose. Si on rentre tous les jours à Villeneuve, ça sera déjà pas mal. Tout dépend des horaires qu'on aura, mais je crois qu'il y a des essais à faire dans le tour quand même. À la RATP, alors là, ça sera sûrement de lui, mais enfin, pour maintenant. Les essais, parce qu'ils font des mains de descente aussi. C'est sûr que. Il paraît que c'est un sacré monstre ça. Au point de vue frein, ça a l'air vachement compliqué hein, parce que moi j'ai juste lu une fois la notice. Là. Oh là là, il y a du rhéostatique. Non, il y a de la récupération. C'est du rhéostatique. Il y a du frein magnétique. Il y a du frein de secours. Il y a un robinet linéaire comme ça, analogique je veux dire, où on ne se sert pas du tout de la CG. Hein. C'est directement commandé CP CF directement. Et puis par contre en fin de secours on utilise la CG. Là, c'est vachement compliqué. Et le robinet métro est le même que le robinet SNCF? Non, c'est le robinet. C'est le robinet à commande comme sur les yo-yo, les locotracteurs. Une accélération en freinage. Quoi. Alors c'est du cran par cran aussi, je ne sais pas comment, je ne sais pas exactement. J'ai juste aperçu là, jeudi vendredi qu'on est allé faire cette enquête au dépôt du globe, il y avait des collègues qui sont en train d'équiper là-bas. Elle est sur fausse à Villeneuve. Alors on l'a vu comme ça, mais on n'a pas eu tout le temps de détailler. Enfin, au point de vue aussi, c'est un monstre en quoi. Thank you.
retirer le signal d'alarme, veuille bien remettre en place le réarmé, s'il vous plaît. On reste jusqu'à zéro, d'accord. Ah bon, d'accord. C'est pour ça qu'il faut se bien en vitesse pour avoir un truc en pile. Voilà, là, tu vois, ils ont fait même sans venir, les vaches. Ben, on va s'arrêter à Coganaï. Vous direz quand on pourra repartir? Bah dès qu'ils auront réarmé. Hein. Oui. Bon, on repart, d'accord. C'est réarmé alors, hein? Non, c'est pas réarmé encore. Hein. C'est pas réarmé, faudrait peut-être réarmer là-bas. Faudrait peut-être réarmer votre connerie là. Non. Ah, on a toujours une. Ouais, c'est bon. Nix, hein, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, hein? Ah bon. Ça remonte. Ça y est, c'est bon. Bon, on s'en va. C'est lui qui a tiré le signal d'alarme, il veut bien réarmer. Alors là, ça nous amène un peu de temps à l'arrivée.
qu'il y avait la température qui accélère. On peut faire un petit signal. Pour être sûr que ça marche, on va trouver ma valise. Alors, toutes les valises qui sont installées sur la SNCF, il y aura un peu de valises. On commence le 21, 23, 22, on va deux allers. Sophie arrive à Strasbourg. Robert, bonne soirée, à demain matin. Hop là.